elle est simple. J'ai été invitée. Moi, je pense que dans la période politique très troublée qu'on vit, il faut aller dans tous les endroits où on peut discuter, y compris si on n'est pas d'accord, il faut pouvoir échanger. Et le sujet a été à la fois la question démocratique ici, la crise démocratique qu'on vit parce qu'elle est réelle, après le vote sur la déchéance de nationalité, cette réforme constitutionnelle, la mise en œuvre d'une politique qui ne correspondait pas à celle qui était prévue. Tout ce climat est quand même très lourd. On est 4 ans après une victoire attendue depuis longtemps pour la gauche et les écologistes. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, la question des primaires, c'est la volonté d'essayer quelque chose dans ce climat politique. Et je pense qu'il fallait le soutenir. En tout cas, c'est ce que j'ai fait très vite. Et ensuite, je crois qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui quelle en sera l'issue. Voilà, il faut se lancer dans une aventure, en tout cas pour essayer de remettre de la démocratie, du débat. Et puis, évidemment, je le dis en tant qu'écologiste, de faire l'analyse assez lucide que la gravité de la crise qu'on vit aujourd'hui, elle est liée à une crise écologique profonde, à la crise d'un modèle de développement dans lequel les vieilles solutions ne marchent plus. Et donc, on arrive à avoir des sociodémocrates qui deviennent impuissants. Et étant impuissants, ils font le contraire de ce qu'ils avaient annoncé.